for all of us. Salut tout le monde, c'est Playmo, c'est parti pour un build de force bien pété. J'avais pas encore fait vraiment de build dédié avec une arme colossale. Et honnêtement, celle qu'on va utiliser ici est quand même largement sous-cotée, même sous-représentée, à mon sens. Parce que franchement, elle est fun. Bref. Et j'avais également pas eu le temps de l'inclure dans ma vidéo sur les meilleurs builds de force. Parce que l'espadon des ruines qu'on va coupler ici à un bon build de force des familles fait à la fois des dégâts vraiment insane et permet plein d'approches différentes grâce à ses movesets bien spécifiques. Avec notamment sa cendre de guerre, l'onde destructrice, mais surtout tous ces coups chargés avec vos R2 ou vos RT1 qui font une espèce d'explosion magique avec chaque attaque chargée. Sur ce build, on va donc utiliser en arme principale l'excellent espadon des ruines. Mais par contre, j'ai prévu dans ce build deux manières pour se buffer. Une, on va dire, pour faire les trucs un petit peu moins exigeants et une routine de buff qui va vraiment augmenter nos dégâts. Et donc quand on va avoir besoin de beaucoup de dégâts, on va utiliser la cendre de guerre de l'étendard du commandant hein, qui va booster de 20% tous vos dégâts pendant 30 secondes. C'est un buff d'aura. Et donc à ça, on va rajouter un buff corporel avec la room bouillissant. Mais par contre, dans un cas de figure un petit peu plus soft, on va pouvoir utiliser la version cendre de guerre du serment doré, couplé à flamme renforcement. Avec cette cendre de guerre, vous avez évidemment l'hyper armor quand vous l'utilisez. Mais chose assez incroyable, hein, si on la compare par exemple à la lame blasphématoire, et bien la lame blasphématoire reste une arme beaucoup plus puissante alors que ce n'est qu'un espadon. Et ici on a une arme colossale qui pèse quasiment 24 kg, ce qui peut franchement être assez déconcertant si vous avez joué avec cette dernière. Mais bon, rassurez-vous, elle reste quand même très puissante hein. On peut passer Malikette ici sans souci. Mais bon, c'est amusant, ça m'a juste fait réaliser à quel point la lame blasphématoire était pétée, alors qu'ici on a quand même une arme qui va vous demander quand même pas mal d'investissement en endurance pour espérer la porter avec une armure plutôt correcte, mais aussi pas mal de force pour la porter à une main. Et au final, elle est à peine plus puissante que la lame blasphématoire, en tout cas sur sa cendre de guerre. Après, les coups normaux sont quand même très puissants et surtout optimisés avec un build pour les attaques chargées, car c'est vraiment ces dernières qui sont très fun à utiliser. Pour récupérer l'espadon des ruines, il va falloir se rendre au château de Radahn avant ou après le festival et battre le double boss de la chimère léonine et le chevalier du creuset. En termes de statistiques, cet espadon des ruines peut faire très mal. Quand vous le tenez à deux mains, vous pouvez frôler les 1000 points de puissance d'attaque. Vous avez des dégâts magiques qui sont vraiment ridicules par contre. C'est assez regrettable parce qu'on met quand même 16 points dans l'intelligence pour pouvoir l'utiliser. Du coup, on a quand même pas beaucoup de dégâts magiques. En revanche, vous allez avoir un scaling de S sur la force. Donc ça, c'est très cool. Sa cendre de guerre en plus coûte pas vraiment très cher en FP. Par contre, sa puissance d'attaque est liée simplement, on va dire, au level de votre arme. Ça, c'est un facteur, on va dire, assez limitant pour sa puissance. Pour la routine de buff la plus puissante, on va donc commencer par la cendre de guerre de l'étendard du commandant, suivi de l'arôme bouillissant, et ensuite notre fiole de salut miraculeux. Donc ça, c'est la routine de buff la plus puissante, mais aussi peut-être un petit peu la plus contraignante, parce qu'elle va demander quand même pas mal d'endurance pour porter l'étendard en plus. Mais avec ça, on fait 9910 points avec la cendre de guerre sur cet ennemi, suivi d'un coup chargé qui fait 5550. Mais sinon, on peut utiliser le serment doré sur une dague en cendre de guerre et flamme renforce-moi. Et là, on va faire 9090 points de dégâts avec la cendre de guerre de l'espadon, et ensuite le coup chargé va faire 4700. Alors pour ce qui est des stats, moi ici je suis parti avec la classe de confesseur. C'est pas la meilleure classe pour faire directement ce build, moi je vous conseille plutôt le vagabond. J'ai donc 40 en vigueur, 16 en esprit, ça suffit pour lancer 4 cendres de guerre, 35 en endurance pour pouvoir porter quand même une armure correcte
et aussi donc l'espadon plus l'étendard de commandant. La force, je suis monté jusqu'à 66, la dex, je n'y ai pas touché, l'intelligence 16, c'est le prérequis pour l'espadon des ruines, j'ai laissé 15 en foi pour avoir cette possibilité d'utiliser flamme renforce-moi, et l'ésotérisme, je n'y ai pas touché. Pour les talismans, j'ai donc le sceau meurtri de Radagon qui va me donner plus 5 à quelques-unes de mes stats, le talisman de la hache qui va booster mes attaques chargées, le talisman d'épée rituelle qui booste de 10% mes dégâts full life et le fragment d'Alexander. Alors du côté de l'équipement, on a donc l'espadon des ruines hein, qui scale le S sur la force à plus 10. Donc voilà, ça pèse quand même relativement lourd, hein, 23 unités de poids et en plus de ça, on va pas arranger les choses parce qu'on a donc une boîte à outils quand même assez large en termes de buff, notamment avec l'étendard du commandant et sa cendre de guerre. Une dague au pif sur laquelle vous pouvez mettre la cendre de guerre du serment doré. Évidemment, on a un sceau sacré, hein, donc là vous prenez celui que vous voulez pour se caster nos buffs. Alors du côté du Fashion Souls, je suis parti sur le grand home qu'on peut acheter donc à un vendeur nomade en Kaelid du Sud, l'armure de milicien vulgaire que moi je trouve vraiment très stylée, et ensuite les gantelets et les jambières du Ronin. Et du coup pour les talismans, on a vu ça juste avant, dans la fiole de salut miraculeux, j'ai donc mis la larme de cristal noueuse de force pour augmenter temporairement ma force, et aussi la larme fissurée à pointe qui augmente temporairement donc les attaques chargées, et ça sur ce build c'est très important et ça fait vraiment bien le café. On a donc ici deux façons pour se buffer avec ce build. Au départ j'étais parti sur 25 en foi pour utiliser le serment doré, mais franchement je préférais mettre les points en endurance pour utiliser l'étendard. Avec ce nouveau build vient donc une nouvelle façon pour dégommer Mog en quelques secondes. Ici je vais donc me buffer avec l'étendard et l'arôme bouillissant et ensuite boire ma fiole de salut miraculeux. On va claquer les entraves de Mog beaucoup trop tôt par contre. Et ici je vais pas directement enchaîner avec la cendre, mais je vais chercher à briser sa posture avec mes attaques chargées et mes attaques normales. Alors pour lui briser sa posture, il va me falloir 3 attaques chargées et un coup normal. Je me prends un petit coup ici, mais c'est pas très grave. J'ai le temps de me soigner et de lui mettre le coup critique, et c'est maintenant qu'on va utiliser la cendre de guerre pour le finir. Donc là, 2 cendres suffisent pour terminer le combat. Par contre, si j'avais commencé avec les cendres, j'aurais été, on va dire, dans un mauvais timing pendant qu'il passe en phase 2. Donc c'est pour ça que c'était plus judicieux de commencer, on va dire, avec les attaques chargées. Pour le duo Sanctochère, comme d'hab, on va d'abord chercher à les endormir avec le pot hypnotique, hein, donc là il faut un petit peu de chance avec la RNG pour qu'ils soient au même endroit, parce qu'ici je cherche quand même à les endormir avec un seul pot hypnotique, en tout cas pour qu'ils soient côte à côte tous les deux. Et ici franchement j'ai quand même beaucoup de chance avec la RNG, ils vont être côte à côte, un seul pot hypnotique va suffire pour les endormir, et c'est donc seulement maintenant que je vais me buffer avec l'étendard et l'arôme bouillissant, hein. J'ai largement le temps de le faire avant de lancer ma cendre de guerre, et d'où l'intérêt de les endormir côte à côte, comme ça vous allez pouvoir vous buffer tranquillement et balancer la cendre de guerre au travers des deux ennemis. Bon, ici je me suis un petit peu foiré, j'aurais dû rebalancer une cendre plutôt que de frapper l'ennemi en face de moi. Par contre, il faut pas oublier qu'on n'a pas encore le fragment d'Alexander quand on fait le duo Sanctochère, donc ça permet aussi de voir qu'on a un petit peu moins de dégâts. Parce que cette cendre de guerre a beau être cool, elle est donc, comme je vous le disais, limitée par le niveau de votre arme. Investir plus de points dans votre force où votre intelligence ne la fera pas beaucoup monter en puissance, donc le fragment est plutôt indispensable. Donc il y avait franchement moyen de faire un combat beaucoup plus propre, mais vous voyez que le duo Sanctochère, ça se passe franchement très très bien. Si vous voulez récupérer l'étendard du commandant pour vous buffer, il va falloir se rendre au marais d'Ivoine et battre le commandant O'Neill. Et pour rappel, vous pouvez le battre très facilement dès le début du jeu. Pour ça, il faudra juste l'attirer à côté du site de grâce dans les espèces de geysers de putréfaction. Faites également attention, cette arme demande 14 points en dextérité. Donc avec le talisman de Radagon, le sceau meurtri de Radagon, j'ai plus que mes 12 points que j'avais initialement. Donc pensez bien à mettre au moins 14 dans la dex pour l'étendard. Parce que sinon vous ne pourrez pas utiliser donc la cendre de guerre de l'étendard du commandant. Je pense d'ailleurs que c'est une bonne arme qu'on peut utiliser en attendant d'avoir les stats pour porter l'espadon des ruines. Alors pour crafter l'arôme bouillissant, il vous faudra, avant de trouver les ingrédients, quand même deux choses. Il vous faudra le manuel de parfumeur niveau 2, numéro 2, et aussi des flacons de parfum vide. Le manuel est plutôt simple à trouver, il se trouve au bastion brun, récupérable sur un cadavre assis sur une chaise.
Voilà, donc avec ça, vous débloquez l'arôme bouillissant et le diffuseur de poison. Je vais maintenant vous montrer où récupérer deux flacons de parfum. Vous pouvez évidemment en choper plus, mais deux, je trouve que ça suffit. Mais aussi, vous montrer un des premiers ingrédients pour crafter l'arôme bouillissant, qui est la fleur d'Altus. Et tout ça, vous pouvez le trouver dans les ruines du parfumeur, sachant que les fleurs vont repop à l'infini à chaque fois que vous allez vous reposer, vous téléporter à un site de grâce. Donc voilà, le premier flacon se trouve ici sous cette table. Vous avez vu que ici dans les ruines, il y a énormément de fleurs d'Altus, donc c'est très bien pour les farmer. Et le deuxième flacon se trouve un petit peu plus en haut, juste à côté de cette énorme fleur. Alors il nous faut encore 3 ingrédients et le second ça va être les mousses des cavernes bourgeonnantes. Je pense qu'il y avait moyen de trouver un nom encore plus long. Pour ça on va donc partir du site de grâce des vierges ravisseuses. On va faire demi-tour et on va revenir avant la salle du boss. Et ici dans une espèce de flaque d'eau vous allez pouvoir en farmer une dizaine à chaque fois que vous reposez ou téléportez à ce site de grâce. Alors pour le troisième ingrédient, on va devoir aller farmer des œufs de pieuvre terrestre. Pour ça, le truc le plus simple, c'est de se rendre sur les berges de la Siofra. Et vous l'avez deviné, il va falloir farmer des pieuvres. Et il y en a beaucoup dans cette zone, hein, même les petites en drop. Équipez un talisman de scarabée d'argent et ou une patte de volaille en saumure argentée. Et par passage, vous allez en récupérer facilement 5 ou 6. Et enfin le dernier ingrédient c'est l'Arteria, c'est une fleur que vous pouvez farmer en partant de la pierre tombale des géants et en farmant les trolls des neiges. Le taux de drop est assez élevé et vous en avez sûrement ramassé tout au long de votre aventure. Allez, testons tout ça sur Radagon et Malenia.
Bon bah franchement ce petit build de force avec cette arme c'est quand même plutôt fun à jouer. Je vous invite également à aller voir mes vidéos récap que j'ai fait sur les builds de force, saignement, foi, magie, etc. La plupart des builds sont toujours ok avec le dernier patch 1.09 et ça vous donnera peut-être une idée pour faire un New Game Plus. En attendant, si cette vidéo vous a été utile et vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me lâcher un petit commentaire et aussi à vous abonner, ça m'aide énormément. Et moi je vous dis à la prochaine.